Déserté par ses habitants pendant plusieurs années à cause du conflit, le village de Bofa Bayot est devenu tristement célèbre depuis le massacre des jeunes dans la forêt de Bayot. Édouard Da Silva, chef de village de Bofa Bayot, est l'un des premiers civils à arriver sur les lieux du massacre. Il revient sur cette tragique journée. Je suis arrivé dans les lieux à 17h moins. J'ai vu des corps en train de venir au niveau vers la forêt classée par la voie des rizières que ces coupeurs-là empruntent. Nous avons fait descendre les corps au niveau de la RN4 vers l'entrée de Bouhouyou. Je faisais partie de ceux qui ont descendu des corps à l'aide d'une sarène. J'étais en chambre avec avec les gendarmes et des sapeurs-pompiers pour pouvoir faire descendre les corps et passer à pouvoir identifier corps par corps. Natif des lieux, Édouard Da Silva affirme que l'exploitation illégale du bois dans la forêt des Bayot est très ancienne. Il ajoute qu'il n'est jamais prudent de s'aventurer dans cette forêt, même pour les habitants de la localité. Moi, je suis né dans les lieux. Mes propres parents ont travaillé dans cette forêt classée-là. Et que cette forêt-là n'est pas permis à n'importe qui d'aller couper. Nos parents nous ont carrément interdit d'aller couper. Mais c'est un lieu qui n'est pas autorisé à n'importe qui d'aller y accéder. Voilà pourquoi le village, quand nous sommes revenus en 2017, c'était la première lutte que les gens ont fait d'essayer de faire connaître aux jeunes qui sont nés après la guerre, qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est que la forêt et qu'est-ce qui était des conséquences dans cette forêt-là. Il fallait leur faire savoir que nous sommes revenus, mais ces lieux-là sont des lieux interdits. À Toubacouta, plus de 15 jeunes ont été interpellés dans l'enquête ayant suivi le massacre. Malgré les stigmates de ces événements, les habitants tentent tant bien que mal de reprendre leurs activités quotidiennes, comme l'affirme Khadissane, présidente du groupement des femmes de la localité. Nous vivons paisiblement malgré les remous qui ont secoué le village et toute l'histoire après la tuerie dans la forêt de Bayot. Nous les femmes, nous sommes dans les champs en train de labourer la terre pour avoir de quoi nourrir nos enfants. C'est tout ce qui nous intéresse en ce moment. Nous ne savons rien de ce qui s'est passé, nous essayons juste de continuer à vivre malgré tous ces événements. Après l'attaque dans la forêt de Bayot ayant fait 14 morts et 6 blessés dont un gravement, les populations locales reprennent petit à petit leurs activités malgré la hantise d'un reggae de violence dans cette zone qui est restée inhabitée pendant plusieurs années à cause de la violence du conflit qui empêchait les gens de vaquer tranquillement à leurs occupations. À Ziguinchor, Seydina Abagay pour VOA Afrique.